We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome everyone to this PNE session. Bienvenue à tous. Nous avons le plaisir d'inaugurer cette nouvelle session. Vous êtes avec nous de diverses manières. Certains sont ici présents physiquement à Katowice, d'autres sont connectés en ligne. Je serai la modératrice, ou plutôt une modératrice. Nous aurons aussi un modérateur, à savoir Przemek, qui va vous souhaiter la bienvenue. Oui, bonjour. Mesdames et messieurs, chers participants, réunis ici physiquement ou réunis en ligne, connectés, je vous souhaite la bienvenue à cette session concernant les réseaux, politique sur environnement, numérisation. Je voudrais, au nom de la Pologne, vous souhaiter la bienvenue à cette session en tant qu'un des modérateurs. Le but principal de cette réunion sera d'envisager les sujets liés à la liaison entre les processus en cours dans l'environnement et dans l'espace numérique. Ça devient de plus en plus essentiel, notamment dans le cadre de ce sommet numérique. Je voudrais en outre préparer des recommandations qui découle d'une coopération laquelle dure depuis de nombreux mois. C'est pourquoi je vous annonce dès maintenant qu'un report spécial va être publié et qui concernera la PNE. Merci aux bienvenus et merci aux participants. Vous pouvez nous suivre non seulement ici, mais sur Zoom. Pour ce qui est de ceux qui nous suivent sur Zoom, vous pouvez poser des questions dans la messagerie. Après le stream et après les sujets, nous ferons une session de questions-réponses. Je voudrais remercier le gouvernement suisse, le gouvernement helvétique, ainsi que l'IGF d'une manière générale, le sommet numérique, ainsi que la Fondation Rundesa, le département aux affaires socio-économiques des Nations Unies, pour avoir permis que cette session soit organisée pour le rapport dans son organisation. Je voudrais enfin remercier les co-coordinateurs, Florine notamment, et Florine Cortez, qui est ma co-modératrice. Oui, merci à vous, Przemek. Moi, je vais souhaiter la bienvenue à nos intervenants, comme M. Juan Zhu, qui est directeur du département au développement durable. Quelques mots de bienvenue de sa part également. Merci Florine, merci Przemek, merci à vous tous, merci de m'avoir invité. Cette session sera consacrée à deux enjeux majeurs, à savoir le développement durable du milieu naturel, mais aussi la numérisation. Je voudrais remercier moi aussi le gouvernement suisse, mais aussi le gouvernement polonais et les autres pays qui se sont portés volontaires de manière pour nous aider à organiser cette session. Nous savons tous quelle importance des enjeux liés au milieu naturel, à l'environnement. Nous avons fait l'expérience de phénomènes météorologiques extrêmes avec des sécheresses, avec des inondations, avec des feux de forêt, avec la montée du niveau des eaux. Et je citerai le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de son rapport à IPCC. Il disait que le moment était venu de prendre conscience d'une chose, c'est que nous sommes arrivés au dernier moment. Le rouge, la symbolique du rouge, c'est ça. C'est que c'est pas un feu rouge qui veut dire qu'il faut s'arrêter, ça veut dire que c'est une alerte rouge. Donc agissons, au contraire, ne nous arrêtons pas. Agissons à un niveau mondial pour protéger le climat,
Agissons pour décarboner notre économie, notre production, faisons tout pour protéger l'environnement, le climat et utiliser au mieux et à bon escient les outils techniques qui sont à notre disposition et notamment la numérisation. Je voudrais avec vous réfléchir à la manière dont la technique moderne, la numérisation, pourrait contribuer à redoubler nos efforts placés dans la protection de l'environnement. Nous devons avant tout être conscients d'une chose, c'est que ce sont les pays les mieux développés, les plus développés, et les entreprises les plus développées, qui doivent prendre le rôle de locomotive, de chef et d'exemple. Nous devons briller par l'exemple. C'est grâce aux techniques modernes et grâce aux investissements dans la technique numérique que nous allons être en mesure de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre. Certaines prédictions disent que nous sommes en mesure de les baisser, de les faire diminuer de 17%. Les villes sont un acteur important. Les villes peuvent avoir un recours massif aux solutions numériques et à tous les outils qui peuvent permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Quatrièmement, souvenons-nous que les investissements dans les solutions numériques au niveau de l'administration sont particulièrement importants parce que l'administration numérique, c'est vraiment quelque chose qui... c'est vraiment un outil qui peut œuvrer à la protection de l'environnement, administration et infrastructure, bien évidemment. Il est un autre élément crucial dans ce rôle, c'est la gestion durable des ressources, avec notamment il y a un rôle important pour la numérisation, là encore. Et j'ajouterai à ces ressources l'IA, l'Internet des objets, les solutions spatiales, ainsi que les applications numériques modernes. Je suis heureux de pouvoir participer à ce sommet numérique et de pouvoir discuter avec vous de la manière dont nous pourrions amener notre initiative numérique jusqu'aux rives du succès. Merci pour cette introduction. Affaires socio-économiques des Nations Unies, n'est-ce pas? Oui, nous pouvons toujours compter sur le soutien de votre département, de votre organisation d'une manière générale, et je vous en remercie. Avant de donner la parole à notre collègue suisse qui est connecté à distance, en direct de la Confédération Helvétique, Livia Valpen. Oui, merci beaucoup, Florina. Bonjour, bien le bonjour de Suisse. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue et de représenter mon pays, le gouvernement helvétique. Nous considérons en Suisse qu'il est important de porter la plus grande attention aux liens existants entre les processus de numérisation et les activités administratives. Bien entendu, nous sommes d'accord avec ce qui a été dit il y a un instant par M. Zhu du département des affaires socio-économiques qui a parlé du rôle des technologies numériques telles que le blockchain, mais aussi l'intelligence artificielle. Il a parlé de l'importance du défi, de l'aspect significatif du défi que ça peut représenter. Nous attirons aussi l'attention des gens sur les ressources énergétiques et sur la création de nouvelles solutions en matière de e-waste, c'est-à-dire d'utilisation ou d'élimination durable pro-environnementale des déchets. C'est quelque chose qui tient au cœur des citoyens et du gouvernement suisse. Je suis convaincu que ce sommet numérique auquel nous participons est une plateforme et de la plateforme appropriée, une bonne occasion d'échanger des vues et des expériences sur ces sujets. Ce sera la deuxième fois que nous aborderons ensemble ces sujets depuis 2020. Pour la deuxième année consécutive, je suis persuadé que lors de cette IGF, nous serons en mesure de préparer des consignes concrètes dans l'esprit des conclusions que nous avons pu tirer des travaux réalisés par le gouvernement suisse, puisqu'en 2019, un ensemble de projets financiers, entre autres, ont été créés et menés à bien, dont le but était de protéger l'environnement. Nos objectifs sont bien évidemment proches de ceux qui ont été annoncés par le secrétaire général et des ODD de l'Organisation des Nations Unies. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette session sur la politique environnementale, très heureuse de pouvoir écouter la voix, les avis, les opinions, les expériences de mes collègues sur ce qui s'est passé ces derniers mois. Je voudrais remercier Florine
qui a été active comme coordinatrice dès avant ce colloque. Merci aux représentants du gouvernement polonais. Merci de m'avoir invité et d'avoir préparé ce colloque auquel je vais participer avec un grand plaisir et un grand espoir de voir nos travaux continuer à l'avenir et les consignes qui ont été exprimées et qui seront entendues, remarquées et prises en considération par les décideurs des divers gouvernements. J'espère que cet apport sera particulièrement précieux. Merci beaucoup, Lydia, pour cette intervention, pour votre gentillesse. Merci de vous être connecté via Zoom. Voilà une quinzaine de mois, effectivement, que nous nous préparons. Vous ne savez pas, peut-être pas tous, ce qu'est le PNE. C'est le réseau pour une politique pro-environnementale. Nous pourrons ajouter quelques informations si vous le voulez. Nous sommes actifs depuis 2020. Nous existons depuis 2020. Notre but est de préparer et de mettre au point des consignes concrètes concernant des recommandations à adresser à diverses administrations. Je suis moi-même scientifique, je suis chercheuse, j'aime les données, j'aime les chiffres. Et je vais d'ailleurs vous citer quelques... chiffre dès maintenant. Depuis 2021, dans le cadre du réseau PNE, nous avons organisé 65 réunions, 87 personnes participant y ont participé. Nous avons créé un rapport que nous avons pu compter, qui a compté plus de 30 000 mots sur le sujet. Nous avons invité trois intervenants. Il me semble que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Même si, bien évidemment, ce ne sont que des quantités. Les chiffres, c'est fait pour ça. La quantité, c'est une chose. La qualité, c'est important aussi. Mais ça, pour la qualité, c'est un aspect que je vais vous laisser à vous. Donc, trois intervenants, je vous le disais. Trois intervenants qui... qui ont réalisé des exposés pour nous. Alors encore un graphique qui vous montrera combien nous avons d'hommes et combien nous avons de femmes à bord. Je pense qu'on a réussi à observer un certain équilibre de ce point de vue. Je vous montre également sur cette page l'adresse de notre site internet au cas où vous voudriez obtenir plus d'informations sur le PNE. Sur notre réseau pour une politique pro-environnementale, eh bien, n'hésitez pas à le faire grâce à notre site internet. Vous trouverez des informations sur les biographies et divers documents publiés par le PNE. Alors, pour ce qui est maintenant du rapport que j'ai mentionné précédemment, nous allons naturellement commencer par une introduction. On a un premier chapitre qui est une introduction concernant les sujets dont nous occupons, les défis auxquels nous faisons face et qui concernent la numérisation. Il s'agit de solutions exhaustives, larges, mais il faut aussi que ce soit compréhensible par les laïcs. Or, on va commencer par cette introduction au sujet de la numérisation avant de passer à diverses zones thématiques. Nous avons décidé de nous limiter à quatre chapitres thématiques. Donc, il y a un chapitre sur les données en matière d'environnement, un chapitre sur les systèmes de gestion des eaux et de l'alimentation, un chapitre sur la transparence de la chaîne d'approvisionnement et ensuite, quatrièmement, un sujet lié aux liens transversaux entre les divers maillons de la dite chaîne. Voilà quelle est l'étendue de nos compétences ou de nos centres d'intérêt. Alors, c'était très synthétique, mais je reviendrai peut-être sur les détails dans quelques instants. Je voudrais d'abord donner la parole aux différents intervenants qui pourront, plus professionnellement que je ne le ferai, décrire les différents chapitres, plus professionnellement et avec plus de compétences que je ne saurais le faire. Nous nous concentrons sur l'aspect environnemental, n'est-ce pas, des objectifs de développement durable. C'est l'élément central, l'élément sur lequel nous concentrons 80% de nos
efforts dans les aspects environnementaux du développement durable. Et puis nous réfléchissons aussi à la manière dont nous pourrions utiliser les protocoles Internet de manière à obtenir, arriver à une meilleure gestion, une gestion plus durable, et de la manière dont, grâce aux techniques numériques, nous pourrions agir et œuvrer à plus, à une meilleure protection de l'environnement. Et encore, je vais dire quelques mots au sujet des recommandations qui résultent de notre rapport et quel est le contexte dans lequel nous avons créé ces recommandations. Évidemment, quand il y a une recommandation qui apparaît, il peut y avoir de nombreux aspects liés à la mise en œuvre pratique. Ça peut être des questions sur la soit de la politique en matière de protection de l'environnement, qui peuvent avoir un caractère objectif, mais on peut aussi demander quels instruments concrets peuvent être utilisés pour mettre en œuvre cette politique. Qu'est-ce qui est objectif de cette politique, qui est le propriétaire de la politique donnée en matière de protection de l'environnement. Tous ces éléments doivent être pris en compte, mais vu notre travail et les ressources que nous avions à notre disposition, nous n'avons pas pu discuter de tous ces aspects en détail. Donc je veux un peu calmer vos attentes quant au volume de notre rapport. C'est pas comme nous sommes en état de trouver toutes les informations sur la manière dont les technologies numériques peuvent aider à gérer le développement durable. Quant à la politique, on parle aussi d'autres éléments ou d'autres sujets que nous pourrons probablement réaliser plus tard ensemble avec les acteurs qui agissent pour notre raison. Ça sera ça à titre d'introduction à notre rapport. Passons donc maintenant au premier chapitre que nous aimerions vous présenter, notre première recommandation concernant l'environnement. Je suis heureuse que, même si c'est le milieu de la nuit en Australie, Jessie a bien voulu nous rejoindre. Pas de problème, dit Jessie. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous rencontrer, même si maintenant, chez nous, il y a un orage très intense, il y a plein d'éclairs et de tonnerres au-dessus de moi, donc j'espère que nous ne perdrons pas la connexion. Je dirais la chose suivante. Entre-temps, nous avons eu beaucoup de discussions très inspirantes avec des acteurs importants dans ce domaine. En ce qui concerne l'état de nos travaux pour aujourd'hui, pour le jour d'aujourd'hui, nous avons accès à de nombreuses données concernant l'environnement, mais nous devons réfléchir sur la manière de les standardiser. Comment faire pour que ces bases de données soient harmonisées et comment ces bases de données pourront être utilisées. Donc nous voulons nous assurer que les données sont accessibles, mais nous voulons aussi savoir comment les transformer. Nous voulons veiller aussi à ce que les communautés indigènes y participent. Diapositive suivante, je vous prie. Donc, pour que cette harmonisation et standardisation soit possible, nous avons proposé l'introduction de des standards mondiaux pour assurer la biodiversité. Nous voulons nous assurer que ces standards seront élaborés avec la participation d'institutions gouvernementales et on voulait aussi que pendant l'élaboration de ces standards, on prenne en compte non seulement l'infrastructure existante, mais aussi la perspective humaine, pour dire ainsi. Donc les questions éthiques, nous voulons que ces données soient représentées de manière appropriée, de manière à ce que leur transformation soit un processus inclusif. Donc pendant nos discussions, nous essayons d'engager des parties prenantes différentes. Notre recommandation numéro 2, qui concerne l'accès
données sur l'environnement. Mais ici, nous pensons aussi à une transformation de, une transmission de données appropriées. Il s'agit de faire en sorte à ce que les données soient compréhensibles pour assurer une transparence de ces données. Nous voulons aussi que l'accès à ces données, aux des données concernant l'environnement, soit égal, que ces données soient compréhensibles pour les personnes qui ne sont pas nécessairement spécialisées dans la matière. Et nous voulons que tout le processus de collecte de données, de transformation de données et de leur dissémination soit transparent. Nous tenons à ce que à élaborer des cadres d'encouragement nous devons réfléchir quels sont les différents besoins des communautés différenciées. Recommandation numéro 3, qui me tient particulièrement à cœur, parce que je crois profondément que nous pouvons vraiment faire beaucoup si nous maximiserons l'influence que peut avoir la numérisation des informations concernant l'environnement. Donc la recommandation numéro 3 est une coopération plus intense pour la maximisation des bénéfices venant de la numérisation des données environnementales. Et nous donnons ici des exemples de coopération intersectorielle et même internationale. Nous parlons de besoin de plus de soutien aux parties intéressées, en particulier en ce qui concerne les communautés qui sont insuffisamment sous-représentées, mettons. Et on parle aussi de construction de capacités, surtout dans ces communautés qui sont encore en marge. Mais il est important que nous puissions contrôler, être contrôlés de ce que nous faisons, tout ça en gardant la transparence, et nous restons ouverts au retour d'informations de la part des parties intéressées. Donc ce processus d'évaluation continue de travailler très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jesse, pour cette synthèse. Jesse travaille pour une association australienne de citoyens pour la science. J'ai oublié de le dire au début. J'espère que Jesse ne va pas se fâcher si je le dis seulement maintenant. Je fais aussi de la recherche en matière de technologie. Merci beaucoup. Passons maintenant au deuxième chapitre du compte-rendu, donc les systèmes d'assurance de nourriture et d'eau. Nous avons ici sur Katowice David, si vous pouvez prendre la parole. Merci Florina. C'est un endroit fantastique où nous nous rencontrons. J'ai déjà beaucoup appris pendant ces dernières journées. Et tout au début, j'aimerais remercier les co-auteurs de ce chapitre dont je vais parler. C'est une équipe très internationale. Il y a des collègues, certains de mes collègues se trouvent par exemple en Colombie-Britannique, où il est décidément trop tôt pour se connecter. Donc ce chapitre sur l'assurance de nourriture et d'eau, il faut qu'on réfléchisse sur l'impact positif dans ce domaine que peut avoir la numérisation. Évidemment, nous devons prendre en compte l'accès de base à la nourriture et à l'eau propre, mais souvenons-nous que beaucoup de gens dans le monde entier vivent dans l'incertitude de l'accès à la nourriture et à l'eau. 800 millions de gens vivent toujours dans la pauvreté. Beaucoup d'entre ces gens n'ont pas accès régulier aux aliments, à la nourriture. Donc nous devons prendre ceci en compte en parlant des bénéfices qui découlent de la numérisation dans ce domaine. Donc souvenons-nous que la numérisation n'est pas une baguette magique.
nous ne pouvons pas changer tout le système du jour au lendemain grâce à la numérisation, mais cette numérisation est un outil très puissant dans notre boîte à outils. Et c'est pour ça que nous sommes penchés là-dessus dans le cadre de nos discussions et nous avons formulé 5 recommandations. Et nous espérons que ces recommandations vont aider les décideurs dans le monde entier de bénéficier du potentiel que porte la numérisation en matière d'assurance d'eau et de nourriture. Première recommandation, elle dit que la numérisation dans le système d'assurance d'eau et de nourriture devrait toujours être utilisée dans un contexte spécifique bien défini. Donc en maintenant la sensibilité et la spécificité contextuelle. Souvenons-nous que les représentants du secteur ICT élaborent des solutions. Il faut que ces solutions puissent s'appliquer dans un cas maximal de cas. Et quand on parle de systèmes d'assurance d'eau et de nourriture, c'est des systèmes qui dépendent du contexte local. C'est pour ça qu'il est difficile ici d'élaborer des solutions qui ira partout. Donc, nous voudrions rappeler ici aux décideurs que lorsqu'on met en œuvre de telles stratégies ou de tels outils numériques qui doivent se traduire positivement sur l'assurance d'eau et de nourriture, les décideurs doivent regarder de près le contexte local. Il ne s'agit pas d'améliorer quelque chose qui fonctionne déjà bien grâce à la contribution des communautés locales. Il faut que ce soit une solution pratique. La deuxième recommandation est la suivante. Nous voulons renforcer notre possibilité d'utilisation de stratégies qui concernent la transformation de données concernant l'assurance de l'eau et de nourriture. Et que lorsque je participe à des conférences telles celles d'aujourd'hui, j'ai toujours ce sentiment que soit les solutions sont déjà prédéfinies et elles servent un petit groupe de problèmes, ou nous avons accès à un grand groupe de données, mais ces données doivent être transformées par nos soins. Donc, en pensant à des pays qui auraient vraiment bénéficié de la mise en œuvre d'un système de transformation de données, malheureusement, c'est des endroits où on manque de ressources locales pour pouvoir utiliser ces données. Donc, notre recommandation concerne le fait qu'on veut mettre en œuvre de telles solutions qui nous permettraient d'utiliser les données. Géolocalisation, par exemple, des données qui sont liées au contexte local. Troisième recommandation, elle dit, ou elle parle d'eux, elle dit qu'il faut préparer les plans régionaux et nationaux pour l'optimisation de systèmes inefficaces d'assurance de l'eau et de la gestion des eaux. Il pourrait sembler que les systèmes de gestion des eaux sont les mêmes dans le monde entier, mais si on le regarde de près, il s'avère qu'il y a des différences bien visibles entre le sud et l'ouest. Et souvent, ces systèmes de gestion des eaux, une fois mis en œuvre, sont ensuite maintenus. Mais dans d'autres parties du monde, il faut créer une nouvelle infrastructure. Grâce à nos outils numériques, nous devons collecter des connaissances sur l'obtention de l'eau, l'accès de l'eau, combien ce système est efficace. On veut que dans les pays en cours de développement, on veut élaborer une base de données comme ça pour pouvoir mettre en œuvre des stratégies qui sont efficaces avec prise en compte du contexte local. La recommandation numéro 4 concerne
le développement et de la mise en œuvre d'outils et de processus qui vont aider à garantir la nourriture. Je n'ai pas de nombre exact quand il s'agit des pertes. Mais lorsque nous parlons de défis qui sont devant nous, il s'agit d'améliorer l'efficacité dans toute cette chaîne de fourniture. C'est la recommandation numéro 4. Donc ici, dans une description plus détaillée, on dit qu'est-ce qu'on peut faire en mettant en œuvre des outils numériques. La dernière recommandation paraît particulièrement importante si on prend en compte ce qui est arrivé il y a peu de temps. Et j'ai ici en tête le fait que les systèmes de gestion des eaux étaient en danger vu le risque de cybercriminalité. Donc nous savons que, enfin on dit de plus en plus souvent, on parle de plus en plus souvent de cybercriminalité, cybersécurité, mais quand on parle aux décideurs, il s'avère que les décideurs, eux, apprennent des choses sur des solutions innovantes et raffinées, mais ils n'ont pas très envie de réfléchir sur la manière de garantir la cybersécurité dans l'infrastructure existante, qui est très fragile. Donc, comme pour les systèmes d'assurance de nourriture, le système de l'eau est un système clé. Et pour terminer, je voudrais dire que notre travail a été un plaisir parce que ça a été particulièrement instructif. Travailler avec des experts d'horizons variés, c'est quelque chose de très agréable. Après, ça ne veut pas dire que les conclusions que nous avons tirées sont forcément, définitives, fermées et péremptoires. Nous sommes ouverts à tout commentaire de la part des participants de l'IGF et des gouvernements qui ont contribué déjà aux travaux jusqu'ici, ne serait-ce que financièrement d'ailleurs. Il me semble que, en tant qu'organisme s'occupant justement de lutte contre les conséquences du changement climatique, il nous faut être conscients de la grande responsabilité que nous prenons. Et c'est comme ça que nous traitons justement notre travail, c'est comme ça que... C'est bien comme cela que nous fonctionnons. Merci. Merci pour cette présentation exhaustive de nos travaux. Troisième chapitre donc, concernant la chaîne d'approvisionnement et le circuit fermé. La chance que nous avons, c'est que nous avons avec nous ici deux personnes qui sont responsables de la création de ce chapitre, à savoir Carlos et Leandro. Qui voudrait commencer? Je vais le faire, moi. Merci aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de travailler à ce rapport. En réalité, l'élément le plus essentiel pour nous, c'est ce que l'on peut comprendre, ce que l'on peut apprendre en préparant ce type de rapport. Je voudrais remercier le co-auteur qui est ici avec moi. Je voudrais vous remercier pour la possibilité qui m'est donnée de prendre la parole à cette conférence. Notre chapitre concerne la transparence de la chaîne d'approvisionnement dans le contexte de technologies, de techniques en perpétuelle évolution et des conséquences que cela a sur l'environnement. Difficile de parler vraiment brièvement des solutions que nous pourrions créer de manière à traiter ces sujets. D'une certaine manière, on peut dire que ces solutions sont plutôt humaines.
sont liées aux sciences humaines, mais aussi aux techniques modernes, et notamment aux techniques informatiques. Souvenons-nous que la numérisation, la transition numérique peut apporter des solutions que nous avons déjà eu l'occasion de tester, qui se sont avérées utiles, efficaces et constituent une valeur ajoutée en elles-mêmes. Dans le cadre de nos recommandations, nous avons été en mesure de commenter ces diverses solutions. Nous nous concentrons, comme je l'ai dit, avant tout sur la transparence de la chaîne d'approvisionnement et de cette économie circulaire. Ce qui concerne, et on s'en rend bien compte, ce qui concerne les aspects techniques, comme poser des antennes sur terre ou sur la mer, c'est bien entendu uniquement une question, un aspect technique. Mais notre... L'objet principal de notre intérêt est la manière dont la transition numérique peut concerner les divers maillons de la chaîne d'approvisionnement. C'est très sensible à chaque étape de la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Alors, pour revenir maintenant aux techniques modernes informatique, il est important de comprendre et d'utiliser les choses de manière intelligente, de manière à permettre la prolongation de la vie des éléments. Et ce sera, je pense, possible. Après, il faut voir, il y a quand même des éléments qui doivent apparaître de manière à ce qu'il en soit ainsi. Il y a entre autres l'interconnectivité, la possibilité de brancher, de connecter diverses ressources et d'utiliser les processus et les processeurs qui sont connectés les uns aux autres. Alors, pour ce qui est des consignes, des recommandations, vous verrez que dans leur cadre, nous insistons sur la maximalisation de l'efficacité environnementale à l'aide des techniques numériques notamment. Donc la question est de savoir comment maximaliser les effets vertueux environnementaux des techniques numériques que nous utilisons. Il s'agit principalement c'est un processus de surveillance, hein, principalement. L'idée, à chaque étape de mise en application d'une technique numérique, c'est-à-dire qu'au moment de la collecte des données, au moment de la planification de l'achat, au moment du suivi de la pérennité du cycle de vie, en matière de tout ce qui concerne les éléments d'occasion utilisés, réutilisés, recyclés, ainsi que le e-waste, c'est-à-dire l'utilisation des outils numériques pour mieux gérer les déchets. Alors, toutes ces informations devraient se trouver normalement en un seul même endroit, de manière à ce que chaque usager ait un accès facilité et rapide à ces données. Donc, c'est un passeport, en fait, qui est créé et qui permet aux usagers d'avoir un accès rapide aux informations. Je pense que ce type de collecte d'informations, de ressources d'informations, permet de mettre en application les politiques appropriées ainsi que les méthodes idoines. Après, il faut aussi adapter l'environnement, le milieu aux idées que l'on a. Maintenant, pour ce qui est de la recommandation numéro 2, elle va influer non seulement le secteur des techniques modernes, mais tout le secteur, en fait, parce que la numérisation en elle-même implique tout un ensemble d'avantages pour beaucoup d'acteurs sur le marché. Mais la manière dont on crée de nouveaux éléments, de nouvelles machines, influe aussi la manière dont ces appareils sont ensuite utilisés, et la manière dont on les démonte une fois qu'on a fini de s'en servir, et la façon dont on les gère une fois qu'ils sont devenus des déchets. Donc c'est ça aussi qu'il faut se souvenir, c'est tout le cycle de vie. Chaque fois qu'il est question d'outils, de machines, il faut être en mesure d'imaginer et de suivre tout le processus qu'on appelle le cycle de vie, c'est-à-dire la production, l'utilisation, le démontage, le recyclage, etc., la gestion de cet appareil, une fois qu'il n'est plus un appareil, en fait, mais un déchet.
C'est le dernier élément chronologiquement, bien sûr, dans la vie d'un appareil. Et c'est ça, en fait, qui va être pris en compte et géré grâce au passeport. Alors, on peut utiliser les techniques modernes, le blockchain, entre autres, l'intelligence artificielle. Pour ce qui est de l'interopérabilité, nous faisons surtout attention à la mise en application de normes internationales. Il est très important de créer des règles. En matière d'interopérabilité, il faut que ce soit échelonnable. Il faut qu'on puisse toujours passer à l'échelle supérieure pour que ce soit vraiment intéressant. Quoi d'autre? Pour passer peut-être à la recommandation numéro 3. Ah, je vais donner la parole à Chris. D'accord, merci. Alors voilà donc la recommandation numéro 3. L'idée était d'attirer votre attention sur le rôle significatif des normes internationales pour ce qui est de l'économie circulaire. On a des problèmes de son, remarque de la cabine. Dans notre rapport, vous pourrez entre autres voir que nous avons mentionné la manière dont on pourrait responsabiliser plus encore tous les acteurs du processus pour ce qui est de la création d'une architecture de la production jusqu'au consommateur et encore après, comme ça a été dit, ce sont des attributs. La cabine rappelle que la qualité du son n'était ici pas suffisante pour pouvoir bien traduire le contenu. Oui, j'ai des problèmes de son, effectivement. J'espère que ça marche un peu mieux maintenant. Je vais continuer. J'ai changé de Wi-Fi, en fait. Et j'espère que ça va être un peu mieux. J'espère qu'on m'entendra mieux. Donc, dans notre chapitre, et les recommandations qui s'y trouvent, recommandation numéro 3, nous avons avant tout attiré l'attention des lecteurs sur l'importance du soutien à l'économie circulaire, avec des outils vraiment pratiques et des recommandations, des consignes concrètes disponibles pour tous et que tous peuvent utiliser, tous les acteurs de l'économie circulaire. Un des outils en question n'est autre que la méthodologie qui est présentée dans la partie 10.23, qui permet d'utiliser un système, il y a un système de score, il y a des points. Ça permet de faire un classement, une évaluation avec des points. On note avec des points, un système de points, un circuit donné. Et quand on note le circuit, c'est vraiment de la conception du produit via tout le cycle de vie du produit jusqu'à la gestion du déchet. Alors, très rapidement encore, il me semble que les contenus présentés dans ce chapitre 10.3, mais aussi 14.77, concernent les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre et autres gaz polluants. Là encore, problème de son assez sensible. Merci. D'accord, donc l'idée ce serait dans certains contextes d'arriver jusqu'à zéro émission carrément. D'accord, très bien. Merci. Alors on peut effectivement réfléchir à la meilleure manière possible de réaliser nos objectifs. Bien souvent, il s'agit d'objectifs particulièrement ambitieux. Mais malheureusement, il faut adapter nos objectifs à nos moyens et pas l'inverse. On a toujours des ressources qui sont
limité. Donc il faut gérer les ressources en coopération justement avec les entités qui seront le plus, le mieux en mesure de le faire. Dans notre chapitre, nous passons d'activités vraiment concrètes, comme par exemple la bonne gestion des déchets, il peut s'agir aussi de renoncer complètement ou d'arrêter complètement, de cesser complètement, tout de bon, certaines activités particulièrement nuisibles à l'environnement. De favoriser les activités profitables. La méthodologie de coopération entre les différentes entités, les différents acteurs de l'économie circulaire, vous savez, c'est un travail vraiment, un travail de bénédictin qui demande vraiment un acharnement au jour le jour. N'oubliez pas qu'il faut avoir la possibilité d'imposer et de faire respecter les solutions juridiques que l'on crée de manière à ce qu'il n'y ait pas d'abus de la loi, de contournement de la loi ou de violation pure et simple de la loi. C'est pourquoi créer des modèles qui nous permettent de bien surveiller le cours des événements, la création de normes, c'est extrêmement important, tout comme la création de savoir, sur le type de normes qu'il convient d'appliquer. Nous avons donc besoin d'un véritable pouvoir administratif qui nous permettrait de mieux surveiller les activités qui sont menées. La diapositive suivante montre la manière dont les quatre éléments que j'ai mentionnés peuvent coopérer et la manière dont cette alchimie peut nous permettre de soutenir les pays en développement de manière à les aider à poursuivre efficacement les objectifs de développement durable. Du réseau pour la politique environnementale, je passe la parole à Madame la modératrice. Encore une fois, merci beaucoup, merci Leonardo pour l'efficacité dont tu as fait preuve en nous faisant passer par ce chapitre. Si quelqu'un nous a rejoint seulement maintenant, je vais juste rappeler qu'il y a avec nous Leonard Gris, les auteurs de des chapitres du compte-rendu. Nous avons déjà parlé des recommandations sur les données environnementales ou du système d'assurance d'accès d'eau et de nourriture, et aussi des questions relatives à la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, je vois que nous n'avons pas encore la possibilité de poser des questions sur le chat. Si quelqu'un d'entre vous voudrait quand même envoyer son commentaire et vous avez a des connaissances au sujet de l'un des chapitres dont nous parlons aujourd'hui pendant la conférence du chapitre du rapport sur la politique environnementale, je vous invite à me contacter directement par mail. Ce processus mail serait plus facile apparemment que le chat. Donc je vous encourage cordialement à télécharger notre présentation et à nous envoyer vos commentaires et remarques. Et maintenant, nous passons au dernier chapitre du rapport PNL. Florian est avec nous, qui nous rejoint des Pays-Bas. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Je me connecte de cette Hollande si pluvieuse, mais je suis originaire du Brésil. Et je vais parler des questions qui concernent la gestion et qui sont transversales, donc qui concernent en fait tous les chapitres de notre rapport. J'essaie donc de vous parler de questions plus générales qui concernent directement la gestion et qui sont liées avec les nouvelles politiques environnementales. Dans le cadre desquels la numérisation peut sembler de grande qualité. Alors là, il y aura trois recommandations. Premièrement, pour veiller à une meilleure inclusivité,
Deuxièmement, nous voulons que les données qui servent à la prise de décision basent sur des connaissances crédibles et que ce soit sur des connaissances, un savoir qui est vérifié pas seulement par des organismes privés. Troisièmement, nous voulons que les approches que nous mettons en œuvre soient plus démocratiques, plus participatives et utiliser des plateformes d'engagement de la société civile. Alors, je vais parler de chacune de ces recommandations de manière plus détaillée. Premièrement, pour notre première recommandation, donc une meilleure inclusivité, j'aimerais dire que on dit souvent qu'un tiers de la population mondiale n'a pas accès à Internet. C'est donc un très grand problème pour ce qui est de l'inclusivité, de l'inclusion et de l'accès à l'espace numérique. Et ici, notre recommandation nous dit d'améliorer l'accès au numérique à tous les niveaux nationaux et dans les communautés locales. Alors, il s'agit d'assurer l'infrastructure numérique de telle manière à assurer une participation très large. Donc, on parle de software de type open source, ce qui donnera une accessibilité plus facile pour tout le monde. Nous voulons encore aussi les pays développés à coopérer en matière de construction de ces capacités partout dans le monde entier pour pouvoir renforcer l'accès sur ces trois niveaux. Au niveau des communautés locales, et des sociétés entières. En ce qui concerne la recommandation numéro 2, cette recommandation dit que nous voudrions utiliser les données et les technologies numériques pour soutenir la prise de décision qui base sur les preuves. Et dans ce contexte, nous aimerions investir dans des systèmes de collecte de données, de données aussi au sujet de l'environnement qui pourraient aider à la prise de décision et dans la mise en œuvre de nouvelles politiques environnementales. C'est important pour nous car les données objectives peuvent aider à la prise de décisions importantes et pertinentes. Et ces données nous aident aussi à mettre en œuvre des politiques qui seront basées sur du savoir, sur des connaissances. Et les décideurs devraient aussi s'engager plus dans la création d'indicateurs d'évaluation de la politique environnementale, de manière à ce que nous sachions ce qui marche et ce qui ne marche pas nécessairement. Ce type d'indicateurs vont aider les agences gouvernementales, mais aussi des communes ou les communautés locales. Il s'agit de faire en sorte à ce qu'au moment où nous prenons des décisions portant sur l'environnement, que nous puissions nous référer à ces indicateurs et qu'il y ait un processus de monitoring continu de manière à ce que toutes les autonomies locales sachent quelle est leur part dans les objectifs atteints. Je passe à la recommandation numéro 3. Donc la promotion de nouvelles approches qui soutiennent la participation des citoyens. Et là, nous aimerions proposer des outils numériques pilotes qui réduiraient les barrières d'accès de très différents représentants des groupes sociaux, de manière à les impliquer un peu plus dans la prise de décision sur l'environnement. Ceci est lié avec la recommandation numéro 1, donc à l'inclusivité plus grande.
that just reproduces inequities. Si nous prenons des outils de participation, nous devons assurer l'accès à Internet, évidemment. Donc, ces deux recommandations sont intrinsèquement liées. Si nous les considérons comme des recommandations séparées, nous n'obtiendrons jamais les résultats escomptés. Donc, si concerne les outils de participation, nous voulons que ce soit des outils de monitoring de ce qui se passe en matière de politique environnementale pour que l'on puisse très rapidement avoir accès au retour d'informations de la part des citoyens. Ça améliore le niveau de contrôle des décideurs quant aux politiques qu'ils mettent en œuvre. Nous voulons que des groupes très différents puissent prendre la voix, prendre la parole et avoir une voix pour la prise de politique, de décision en matière de politique environnementale. Ça marchera aussi pour d'autres objectifs. Ils peuvent faire une meilleure allocation d'investissement en matière de protection de l'environnement. Peuvent aider à mettre en œuvre des outils qui sont mieux adaptés au contexte local. Et au niveau local, ils peuvent aussi être des outils qui soutiennent l'efficacité niveau coût, parce que les citoyens veulent toujours savoir quels sont les où part l'argent des contribuables. Donc, en encourageant pour la e-participation, nous pouvons aussi identifier ces domaines dans lesquels on manque toujours et encore de nouvelles capacités et de ressources numériques. Je pense que chaque gouvernement, que ce qu'il soit central ou une autonomie locale, puisse utiliser de ces outils de e-participation, parce que si nous voulons bâtir de nouvelles capacités, ils doivent être adaptés aux besoins locaux. Et ces outils numériques doivent servir aussi à la communauté locale. Grâce à ces outils de participation, on pourra trouver aussi créer des budgets citoyens. Ça va nous permettre d'organiser des rencontres en ligne au cours desquelles les citoyens vont participer à la prise de décision. Ça, c'est une méthode qui ne coûte pas grand-chose et ça groupe les citoyens qui n'ont pas besoin d'être physiquement présents pendant les réunions. Et ces réunions, ces rencontres, serviront à bâtir une meilleure confiance mutuelle en ce qui concerne les décisions prises en matière de réforme environnementale et de mitigation de problèmes climatiques. La gestion est très bonne, elle doit être adaptée aux besoins locaux, mais grâce à la communication numérique, grâce au fait que l'on qu'on se réfère à des standards et des indicateurs définis, nous pouvons réussir à assurer un suivi de la gestion des informations. Et terminant mon énoncé sur cette diapo, j'essaie de vous montrer on veut montrer la participation des différentes parties prenantes dans ce processus. Et ce centre est au centre du schéma et en circonstance, nous avons les différents sujets dont nous occupons dans les chapitres de notre compte-rendu. Je remercie Peter et Florina et aux autres collègues qui ont été impliqués dans le travail sur la préparation de ce compte-rendu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci pour cette dernière diapositive particulièrement instructive, parce que c'est bien de pouvoir visualiser les choses. Ça permet de comprendre assez rapidement des phénomènes relativement complexes. C'est avec plaisir que nous allons maintenant recevoir vos commentaires. Commentaires et questions, je m'adresse au public maintenant, qu'il soit connecté via Zoom ou présent ici à Katowice. C'est pour moi peut-être la partie la plus importante de ce colloque, parce que la question est de savoir si les recommandations sont claires pour vous. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est intelligible? Est-ce que cela a du sens?
Sait-on à chaque fois ce que concerne les recommandations? Avez-vous au contraire l'impression que certaines recommandations devraient être reformulées? Voudriez-vous partager avec nous des documents importants? Vous pouvez en mettre, placer des liens dans la messagerie sur Zoom. Ça pourrait nous aider. Je vois qu'il y a 50 personnes sur le chat, sur la messagerie. Donc n'hésitez pas, hein, vous pouvez utiliser la messagerie. Johan, s'il devait y avoir des études de cas que vous voudriez mettre à notre disposition, n'hésitez pas. Et pour ceux qui sont ici physiquement présents avec nous à Katowice, eh bien, n'hésitez pas à lever la main. Un micro vous sera fourni. Qu'il s'agisse de commentaires ou de questions, si vous voulez savoir comment ces recommandations concrètement pourraient être mises en application dans vos pays respectifs dans le cadre de telle ou telle activité. J'ajouterai une chose, c'est que les commentaires ne seront pas forcément présents dans notre rapport officiel, dans le rapport officiel de ce colloque, mais soyez sûrs que nous y ferons référence lors des travaux de notre réseau pour une politique environnementale. Cela étant dit, je voudrais maintenant vous montrer un résumé de toutes les recommandations. Je sais que de loin, on y en voit assez mal, hein, mais pour ceux qui sont ici avec nous, vous pouvez venir vous asseoir plus près, hein, d'ailleurs, parce que les gens qui sont ici présents à Katowice sont, pour certains d'entre eux, dans les premiers rangs, mais certains sont très loin. Donc si vous voyez mal l'écran, n'hésitez pas à venir plus près. Nous aurons moins de distance à faire pour vous donner un micro, d'ailleurs, si vous avez des questions. Il y a une trentaine de personnes, entre 30 et 50 personnes dans la salle, une cinquantaine sur Zoom, avec d'ores et déjà beaucoup de commentaires sur la messagerie. Il faut que quelqu'un soit le premier à être le premier, comme on dit. Alors, allons-y. Brisons la glace. Je vais commencer par donner la parole à mon co-modérateur sur Zoom. Entre-temps, peut-être des questions vous viendront-elles à l'esprit, qui jettera une nouvelle lumière sur nos recommandations. Merci beaucoup, Florine. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, simplement quelques remarques et des recommandations, peut-être concernant un autre aspect, en fait, un autre pan des présentations que nous avons pu suivre grâce à vous. Ce que je voudrais faire principalement, ce serait me concentrer sur les normes. Évidemment, ça n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau en ce qui concerne les normes et les normes d'interopérabilité. Cela étant dit, on pourrait tenter une explication des divers scénarios, des divers scénarios de gestion de l'interopérabilité. Dans certains cas, dans certaines régions du monde, il semble bien que ces normes soient bien faibles, insuffisantes. Il semble que les exigences posées aux administrations soient moindres dans certains pays du monde que dans d'autres. C'est peut-être le type de disparité dont il serait bon de discuter. J'ai eu vent de quelques cas de ce qui se passe notamment en Amazonie, et pas seulement au Brésil. Pas seulement au Brésil, dans des pays voisins aussi. Il n'y a pas que cette catastrophe environnementale dont il faut parler. Il faut voir les autres aussi. D'immenses pertes essuyées par le milieu, l'environnement, chaque année. C'est assez désespérant, c'est un appel désespéré que je lance de prendre en considération ces phénomènes. Merci. Si j'ai bien compris ce qui était entre les mots, vous nous demandez d'être plus audacieux, de plus prendre en considération les catastrophes naturelles et qu'on les mentionne plus concrètement. C'est ça que vous voudriez. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait
prendre la parole. Vous pouvez lever la main physiquement si vous êtes à Katowice ou lever la main virtuellement si vous êtes sur Zoom. N'hésitez pas. Ah, je vois que quelqu'un justement voudrait prendre la parole. Nous allons vous donner un micro. Merci. Je représente le Liberia. Je viens d'arriver, en fait. C'est avec un grand intérêt que j'ai écouté votre présentation. Ce qui m'intéresse notamment, c'est la création de politiques visant à protéger l'environnement. Mais nous avons également parlé de l'importance d'assurer une véritable égalité de droit pour ce qui est de l'accès à des contenus tels que ceux qui sont présentés lors de notre conférence. Donc, c'est la participation, l'inclusivité électronique, etc. Là, c'est l'accès à Internet. Ce sujet m'intéresse au plus haut point, ne serait-ce que pour l'accessibilité des ressources. Il y a une chose qui est intéressante, à savoir ce que vous avez mentionné, c'est une gestion intelligente des déchets. Ce qui est essentiel ici, c'est de bien utiliser la technique. Dans de nombreux domaines, la technique a fait des avancées absolument remarquables, spectaculaires et rapides. Nous ne sommes pas toujours en mesure d'utiliser pleinement ces techniques, mais nous ne sommes pas toujours en mesure de les utiliser prudemment, notamment dans le cas de la gestion des déchets. C'est ce sur quoi je voulais attirer votre attention. Souvenons-nous aussi d'une chose, c'est qu'il y a tout un ensemble de problèmes contre lesquels nous battons, nous escrimons en Afrique, des problèmes. Tous ces combats seraient plus faciles à mener si nous travaillons ensemble. Et la gestion des déchets, c'est un excellent exemple de sujet sur lequel les États africains devraient collaborer et non pas agir chacun pour soi, et non pas jouer perso. Donc, je souligne encore une fois, à cette occasion qui m'est faite, que les zones de coopération devraient être... entre autres, je ne vais pas du particulier au général, mais vraiment du général au particulier. Je dis qu'il y avait notamment la gestion des déchets, mais pas seulement. Mais à l'intérieur de la gestion des déchets, il y a notamment l'utilisation des outils numériques pour gérer les déchets, c'est-à-dire l'e-waste. Et je pense que c'est un des éléments sur lesquels de nombreux sont ceux qui devraient consacrer la majeure partie de leur temps. Je pense même qu'on devrait peut-être organiser des réunions tous les ans, peut-être une réunion par an qui serait consacrée à la gestion des déchets et à l'utilisation des outils numériques pour la gestion des déchets. Et c'est sur ce sujet que je voulais attirer votre attention. Merci. Si je comprends bien vos intentions, vous voudriez que nous redoublions d'efforts pour aller vers plus de gestion intelligente des déchets. Et ce que vous voulez mettre en avant aussi, c'est la coopération internationale en la matière. C'est bien cela, non? Vous dites aussi que la crise liée à la gestion des déchets, c'est une crise de responsabilité, au fond. Oui, merci beaucoup. Je sais que plusieurs personnes voudraient aussi évoquer le sujet, comme Leonardo, par exemple, qui a levé la main. Leonardo, vous allez vouloir prendre la parole? Tout à fait. Je voudrais répondre à ces remarques. La gestion des déchets est effectivement un problème sérieux, brûlant, et que nous ne manquons pas de rappeler dans nos rapports. Il y a des millions de tonnes de déchets qui tombent dans la nature, en fait, tous les ans. Et ça, c'est beaucoup de travail, c'est un important défi, et c'est un gouffre, c'est une tirelire. Ça demande énormément d'investissement. Nous perdons tous les ans des sommes ahurissantes à cause de ces ressources que nous ne sommes pas en mesure de réutiliser. La totalité des déchets qui n'est pas recyclée est en réalité représente une perte financière pour nos sociétés. Et l'Organisation des Nations Unies attire l'attention du public là-dessus. Ça, c'est un élément de la chaîne d'approvisionnement. C'est la fin de la chaîne d'approvisionnement, mais c'est important. La fin, le dernier maillon, ce n'est pas le moins important. Bien au contraire.
Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, ce serait de faire tout de notre possible pour produire moins que ces dernières années, pour utiliser plus longtemps et éventuellement essayer de repousser dans le temps le moment où un appareil donné va devoir tout de même finir par terminer sa carrière et devenir un déchet. Mais après, ce n'est pas forcément une mauvaise fin, puisque justement, un déchet peut être recyclé. On a le recyclage, on a l'upcycling, c'est-à-dire la revalorisation. On a tout un tas d'outils qui nous permettent de veiller à la protection de l'environnement. Et c'est le type de processus qu'il nous faut organiser en pensant vraiment la chose de A à Z. Et c'est vraiment même depuis la phase avant zéro. Hein, c'est vraiment depuis. Il faut commencer à y penser dès qu'on choisit les matières premières, en fait. Donc oui, ce sont des sujets particuliers. Si on a une approche vraiment ascendante, ce qui va se passer, c'est que dans notre rapport, on va retrouver toutes ces choses. Il est crucial, évidemment, de définir les problèmes. Ensuite, l'étape suivante, c'est de mettre au point des solutions qui vont nous permettre de régler un problème ou un autre. Merci beaucoup donc pour ces remarques qui nous rapprochent, je pense, des prochaines mesures que nous prendrons et mènerons à bien. La messagerie. Question dans la messagerie. Une question qui est posée à tous les intervenants en même temps. Cette question concerne ce qu'on appelle l'effet de ricochet. Le rebound effect. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je ne sais pas si vous connaissez ce mécanisme de rebond, si vous l'avez remarqué. Je pense qu'effectivement, des besoins soudains, des augmentations soudaines en tel ou tel service ou bien, c'est ce qu'on appelle l'effet de rebond, plus que de ricochet, de rebond. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait commenter ce sujet? Sorry, who are you wanting to speak to that? It's open, but feel free to. Il faut qu'on réponde, mais qui réponde? Oui, puisque vous avez activé votre micro, je propose que ce soit vous qui répondiez. Ah, there's Ilias coming in. Hello, Ilias. Yes, hi. So nobody wants to take. Bon, je vois que personne ne veut répondre. En fait, je vais dire quelques mots à ce moment-là. Les solutions numériques ont bien entendu des effets positifs. À condition de fonctionner à l'intérieur de cadres. On va prendre un exemple. Prenez la mobilité, la connectivité mobile. Je pense ici à la mobilité dans le contexte du transport, c'est-à-dire qu'au lieu de toujours utiliser votre véhicule, votre voiture, eh bien vous mélangez un peu les choses. Un petit peu. Vous allez en ville, par exemple, à pied. Une fois que vous êtes en pied, une fois que vous êtes en ville, vous montez dans une station de métro. Voilà. De temps en temps, vous prenez la voiture. C'est tout un ensemble de choses à considérer. Sommes-nous en mesure, effectivement, de complètement renoncer à la voiture? Le cas échéant, il faudrait qu'on. Parce que sinon l'interopérabilité n'aura qu'un effet limité, en fait. À l'avenir, je pense que les voitures automatiques, les voitures autonomes plutôt, c'est-à-dire sans chauffeur, seront la norme sur la route. La circulation autonome sera quelque chose de tout à fait normal. Imaginons ce qu'il en sera. Ce qu'il en sera du transport ce jour-là. De l'impact du transport sur l'environnement, sur le marché automobile, c'est toutes ces implications diverses et variées qu'il est difficile d'avoir à l'esprit dans la mesure où nous vivons aujourd'hui et pas demain.
Quand on parle de l'effet rebond de telle ou telle technique, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Nous espérons bien sûr que les avantages dépasseront les inconvénients, mais ça reste à voir. Enfin, en général, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça qu'on appelle ça le progrès. On utilise les drones dans l'agriculture. On pourrait même distribuer des légumes par drone. Au lieu d'emmener vos légumes sur le marché, vous envoyez vos légumes en ville à l'aide d'un drone et vous les distribuez comme ça. Mais vous voyez, les bénéfices qui découlent de l'utilisation des techniques les plus récentes pour ce qui est de la distribution des produits agricoles, je pense qu'ils vont dépasser largement les inconvénients de la technique. Parce que les gens disent « Ah, le progrès, c'est pas bien, c'est des pesticides ». Non, le progrès, c'est toujours... C'est ce que je vous dis, c'est pour ça qu'on appelle ça le progrès, c'est qu'il y a des effets négatifs, mais les effets positifs les dépassent toujours. L'efficacité énergétique des bâtiments, par exemple, les processus industriels qui sont de moins en moins polluants, les solutions numériques sont des outils formidables, des solutions formidables, à condition, je vous l'accorde, de jouer selon les règles du jeu, de rester dans les clous, de rester à l'intérieur du cadre juridique. J'ajouterai moi aussi quelques mots sur l'effet rebond, si vous me le permettez. Si avec le temps nous remarquons une augmentation significative de l'empreinte carbone et donc des coûts carbone d'un processus donné, il faut aussi se souvenir que c'est l'utilisateur qui va subir des coûts augmentés. Donc cet effet de rebond ira dans l'autre. Il y a dans la direction opposée par rapport à celui que nous voulions. Donc parfois, nous devrons augmenter la trace carbone afin d'obtenir une meilleure efficacité de la solution choisie. Donc dans cette équation, il faut inclure ou prendre en compte des éléments tels le prix croissant de la trace carbone. Merci beaucoup. Merci Ilias. Qui, comme je vois, est à la Commission européenne. Il travaille sur le passeport numérique aussi dans le contexte des solutions numériques. Est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait prendre la parole dans le sujet de l'effet de rebond? Mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse à une question supplémentaire que j'aimerais poser, si vous permettez. Bien, de quelle manière sommes-nous en état de localiser, d'adopter à une localisation donnée? Adapter les solutions aux conditions, à l'environnement. Il faut tout faire pour que les méthodes numériques soient adaptées aux conditions locales. Comment évaluer cet environnement local? Peut-être que quelqu'un a une meilleure idée. Peut-être que dans la recommandation, on devrait trouver une référence au fait qu'il est nécessaire d'adapter les solutions existantes aux circonstances. Je passe la parole à Horst qui on avait posé une question similaire sur le chat. Je pense qu'il faut prendre en compte tous les parties intéressantes, les toutes parties prenantes, aussi ceux qui agissent dans des conditions tout à fait différentes des nôtres. Donc les citoyens privés, individuels, mais aussi les institutions, le secteur de l'administration. Donc toutes ces recommandations dont nous parlons devraient probablement prendre en compte la spécificité du récepteur. Est-ce le cas? Ça, c'est une bonne question. Je réfléchis à la création d'un système d'encouragement. Quel serait l'encouragement pour la conception de solutions qui ne deviennent pas rapidement obsolètes?
je réfléchis à ça aussi du point de vue du consommateur final, de l'utilisateur. Si je peux intervenir, si nous changeons notre modèle de business d'un modèle qui est qui est entraîné par la quantité, si nous le changeons en modèle plutôt de service, nous aurons des encouragements qui des encouragements pour développer en continu les services et les produits qui sont durables, parce que nos consommateurs, c'est les consommateurs qui vont décider. Donc ça va être un encouragement à créer des produits et des dispositifs qui que l'on peut utiliser pendant longtemps, parce que nous serons fournisseurs avant tout de services. C'est vrai aussi pour chaque secteur, pas seulement des dispositifs électroniques. Merci beaucoup. Je pense que ici l'ONU peut jouer un rôle très important en matière de lobbying, de solutions durables, ensemble avec les entreprises technologiques. Maintenant, les centres de base de données, les entreprises de télécom fonctionnent un peu suivant un modèle de leasing. Donc, ils traversent plusieurs cycles de rénovation pour qu'un modèle donné soit durable, profitable. Souvenons-nous qu'il faut assurer une marge de bénéfice. Mais les solutions dont nous parlons pour l'instant ne concernent que des dispositifs plus grands, alors que ça devrait concerner toute l'électronique. Merci beaucoup, David. J'ai l'impression que tu voulais ajouter quelque chose. Il me semble qu'il y a un modèle qui nous est proche à nous tous. Si nous nous branchons à Internet par câble, nous payons pour le service après-vente de cette connexion. Et alors, le fournisseur est intéressé que le routeur soit le plus résistant, efficace, qu'il ne faut pas les changer toute chaque année. Maintenant, les fabricants commencent à veiller à ce que ces produits soient durables. David, je vois que tu veux dire quelque chose. Mais Jesse encore. Mais moi, justement, on vient de me demander de changer mon routeur. J'ai posé la question, alors, qu'est-ce que je suis censé faire avec le vieux routeur? Ben, jette-le, il m'a dit. J'habite en Australie, j'étais choqué, il s'agit que dans tout le pays c'est pareil, le vieux routeur, on le balance en montant à nouveau. Je me demande qu'est-ce que nous pouvons faire avec ça. Quelle devrait être notre recommandation dans ce domaine, si nous voulons agir de manière responsable, si nous voulons vraiment faire de l'économie de circulaire. I think we are very deep in a very specific discussion, and I think one major discussion around the topic that we had, like in terms of food and water systems, is that also even going like one stage down, because often like when we are talking about political decision making, it's often a political decision making that XYZ technology should be applied because it sounds fancy. And I think there is normally an inherent problem with that, because if, for example, there is no it hasn't been planned properly, there is no real connectivity at a certain point, or you know, like IT systems are so complex, especially in developing countries, sometimes it can go wrong there, and then people come there with a predefined solution and say, this is a solution you need to use from now on. Whereas on the contrary, we do have sometimes, we do have communities who know exactly what they need to do in terms of adapting also to climate change, because they have different kind of data and they have experience. So I think in the whole discussion, we can never forget that, you know, like, that we need to apply this tool smartly, and they need to be used where they can be most efficient, and in terms of like where can they actually de manière qui sera beaucoup plus efficace pour que ces solutions constituent une valeur ajoutée. Where they don't fit properly, so there has
et les résultats non attendus viennent du fait que des solutions ont été mises en œuvre là où elles n'auraient pas dû être mises en place puisqu'elles n'ont pas non adaptées au contexte local. Je pense que nous observons ça un peu partout dans le monde. Les solutions ICT sont souvent mises en œuvre, mises en place quelque part, mais ils s'avèrent inefficaces. Pourquoi ? Parce que tout à la base, on avait mal défini les exigences business de la zone donnée. Et dans le contexte de notre conversation de cet effet de rebond et les effets inattendus de la mise en place de nouvelles technologies numériques, il est important de savoir où ces technologies sont nécessaires et où elles devraient être appliquées. Nous voulons tous ne pas générer encore plus de déchets. Avec la mise en œuvre de technologies ICT. En ce qui concerne l'économie des services, il y avait un commentaire là, comme ça plus tôt. Là, je vois aussi certains défauts, en particulier si nous pensons au sud du monde, les firmes, les sociétés de services après-vente se trouvent dans la majorité des cas dans les pays du Nord. Et ces services sont objets de leasing. Et nous, ce qu'on veut, comme dans le cas de l'agriculture, il s'agit de renforcer les possibilités, les capacités de développement de ce secteur sur place, dans le contexte local, et non pas seulement de vendre des graines qui sont reprises de nous par les agriculteurs et qui doivent ensuite revenir pour racheter. Hier, dans le cadre du réseau pour la politique environnementale, nous avons dit que notre rapport pourrait être plus approfondi dans le futur, et c'est ce que nous attendons. Nous coopérons avec vous avec grand plaisir. Merci beaucoup pour ces remarques. Le co-modérateur, Daniel, m'a fait signe. Il y a des questions sur le chat, mais j'aimerais passer le micro à vous qui êtes ici à Katowice, sur place. Il y avait quelqu'un qui voulait parler, il me semblait. Et bonjour. J'ai une question, sinon plutôt un commentaire. Je m'appelle Rachel Gatto. Et je suis représentante d'un réseau sœur pour la politique en matière d'accès réel à Internet. Merci de me permettre de prendre la parole. Il y a, comme je vois, beaucoup de synergies qui apparaissent pendant ce panel numérique IGF. Et j'aimerais parler de l'accès réel. On l'a dit hier que l'accès réel veut dire des choses différentes pour différentes personnes. Pour certains, ça veut dire la possibilité de communiquer avec la famille. Pour d'autres, ça veut dire l'accès à l'éducation. Pour d'autres, ça veut dire la possibilité d'obtenir de l'aide en situation de crise, etc. Alors maintenant, en écoutant vos discussions, j'ai pensé que l'une des propriétés d'accès réel à Internet est un développement durable de l'environnement. On n'en a pas parlé avant, mais il me semble que dans le cadre de nos différents réseaux pour la création de nouvelles politiques, ça serait un sujet important et ça serait bien de le noter. Merci. Merci, très bonne suggestion. Évidemment, nous ne voudrions pas élargir excessivement notre compte rendu parce que nous tenons à ce que nos rapports soient concrets. Et vu que le développement durable et le développement de l'environnement veut dire autre chose pour des personnes différentes. Bon, il nous reste à peine 3 minutes. Je ne voudrais pas dépêcher qui que ce soit, mais s'il y a encore des questions très concises, nous avons le temps de répondre à une ou deux questions. Et si, à présent,
vous n'avez pas d'idées pour des questions, vous pouvez nous contacter aussi par email. Avec plaisir, nous obtiendrons un feedback, autant d'informations. Si vous avez l'impression que nous avons omis quelque chose, faites-nous signe. Vous pouvez nous contacter à tout moment. Merci pour le micro. Nous parlons ici beaucoup des solutions à caractère purement technique et ces solutions sont absolument indispensables. Mais j'aimerais élargir un peu le scope de notre conversation car beaucoup de solutions techniques ne nous aideront pas à atteindre cet objectif duquel nous parlons. Donc, ne nous aidera pas de nous déplacer de la position d'une économie concentrée sur le bénéfice vers une économie partagée ou copartagée. Et c'est bien l'enjeu que nous avons aujourd'hui. Nous avons de plus en plus de produits qui ne sont plus utilisés par les uns et pourraient être utilisés par d'autres. C'est l'un des aspects de gestion durable de l'environnement. Je pense que nous devrions aussi parler de ces changements de mentalité, de manière de penser. En plus de la discussion sur la mise en œuvre de nouvelles solutions techniques. Merci. Et maintenant, j'aimerais demander à Daniel, donc mon co-modérateur, de dire quelques mots pour la fin de cette rencontre. Merci Florina, j'essaierai d'être très concis parce qu'en effet le temps s'épuise là. Comme Florina avait dit, il y a un an, au mois de décembre, pendant le sommet IGF, nous avons commencé le travail de notre groupe. Mais ce n'est que le 20 avril que nous sommes tous rencontrés ensemble. Donc nous parlons de 8 mois de travail. Donc nous rencontrons une fois par mois depuis avril. Nous rencontrons aussi pendant d'autres événements accompagnants. Je voudrais souligner que nous avons toujours à faire face à la pandémie de COVID-19. Nous travaillons dans le cadre d'un groupe international. C'est des personnes qui habitent dans différents fuseaux horaires. Et quand même, pendant les 8 derniers mois, nous avons réussi à élaborer ce rapport. Et je pense que c'est un résultat formidable qui prouve combien de temps et d'efforts chacune de ces personnes a mis dans la création de ce compte-rendu. Je voulais vous dire qu'à une étape très précoce, ça devait être encore au mois d'avril, nous avons décidé que ce compte-rendu doit être concis, compréhensible. Ça ne va pas être un document théorique encore, à caractère académique. Nous voulons que le document soit bien compréhensible pour les décideurs, pour beaucoup d'intéressés. Vous remarquerez que ce sont à peine 3-4 recommandations dans chacun des chapitres. Et c'est ce à quoi nous tenions, que ce soit les recommandations les plus importantes qui se réfèrent à les questions qui exigent des actions urgentes. Et j'espère. Vous avez apprécié, j'espère que vous remarquez aussi les nuances que nous avons réussi à trafiquer dans ces recommandations. Nous avons aussi fait des consultations sur le texte et nous sommes d'accord que dans ce rapport, il faut prendre en compte la perspective nationale. Beaucoup de défis nous attendent encore à ce carrefour entre la gestion de l'environnement et les nouvelles technologies. J'espère que l'édition de cette année du Forum IGF sera une excellente plateforme
et nous donnera une impulsion supplémentaire sur la route de la mise à jour de ces recommandations. En effet, ce sont des enjeux considérables. Nous allons très certainement utiliser votre feedback parce que nous voulons que ces connaissances spécialisées soient utiles pour les intéressés. Je dis encore une chose, que nous avons espoir de pouvoir faire un maximum d'études de cas pour que ces concepts théoriques puissent se refléter dans des applications concrètes. Donc ces études de cas donneront une valeur plus pratique à ce compte-rendu. J'espère que beaucoup d'organisations du secteur privé qui sont représentées ici pendant le sommet IGF voudront entamer une coopération avec nous. Elles voudront bien nous faire part des études de cas ou de cas concrets. Donc nous travaillons très intensément avec beaucoup de partenaires. Les informations au sujet de nos travaux sont promues aussi dans le cadre de rencontre des experts du haut panel ONZ. Et pour terminer, je voudrais dire que je suis très heureux d'avoir pu être avec vous aujourd'hui comme modérateur de cette session. Merci beaucoup, nous devons terminer. Mon expérience est que les organisateurs parfois débranchent le micro. Donc avant que ça n'arrive, merci Daniel d'avoir été si concis. Et pour terminer, je veux juste dire que je remercie énormément tout le monde, toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce panel. Je remercie les co-organisateurs, mon co-modérateur. Je remercie tous ceux qui étaient avec nous virtuellement ou physiquement. J'espère que bientôt nous verrons tous physiquement. Restez en contact avec nous si vous voulez nous envoyer des remarques. Grand merci.